Cette année sur Solutrans, nous présentons une nouvelle gamme SR2 X-City, qui est une évolution de la gamme qui existait déjà SuperCity, où on a conçu un nouveau véhicule avec un système d'essieu directionnel à câble, qui est une véritable innovation par rapport à ce qui est présenté sur le salon cette année. Donc le système SR2 X-City est un système à câble, hein, donc on a un essieu qui est monté sur une tourelle, et donc cette tourelle est actionnée par un câble qui court à l'intérieur du châssis et qui est remonté au-dessus du pivot d'attelage. Les enjeux techniques de cette innovation consistaient à pouvoir loger un système directionnel dans le gabarit standard d'un véhicule, c'est-à-dire pour des questions de réglementation européenne, un véhicule en dessous des 4 mètres réglementaires, avec un centre de gravité très bas et un seuil de chargement tout à fait standard pour les métiers de la distribution. Donc on a en termes d'efficacité un système qui est extrêmement sécurisé pour le chauffeur, extrêmement souple. On n'est pas du tout sur les contraintes d'un système mécanique type abarre, type tri-deck. On est sur un confort de conduite pour le chauffeur, aussi bien en marche avant qu'en marche arrière pour les mises à quai. Et bien évidemment sur un essieu directionnel qui donne un maximum d'efficacité, notamment pour la distribution en ville et l'accessibilité. Les bénéfices induits de ce système donc, sont bien évidemment l'usure des pneumatiques, hein, beaucoup moins de consommation de gomme. Donc on a des ratios qui sont l'ordre de 3 à 4 fois inférieurs à une usure de pneumatique normale. Et en termes de conduite pour le chauffeur, on a un véhicule qui suit parfaitement la trajectoire du tracteur. On a une économie sur la consommation de carburant. Et surtout, la nouvelle tendance, donc pour l'accessibilité en ville notamment, on peut avoir des tracteurs avec des puissances moins importantes, ce qui est tout à fait compatible avec les nouvelles générations de tracteurs, notamment les tracteurs OGNV. On présente le système sur Solutrans en deux versions, 24 palettes et 27 palettes, et techniquement on est en mesure de le proposer sur un tridem classique 33 palettes en un essieu directeur ou deux essieux directeurs. C'est tout bon? Et ben franchement, oui. Ça passe vraiment, bah, vraiment bien. Aucune appréhension. Beaucoup de compliments de la part des clients sur la qualité du stand, sur les matériels présentés et surtout le sentiment d'avoir fait une fois de plus les choses dans le bon ordre puisque les produits que nous avons présentés ont véritablement eu un grand succès. Je pense notamment à la X-Steering, 24-27 palettes. Nous sommes débordés par les demandes d'informations, débordés par les demandes d'essai des véhicules également. Et je pense qu'on est tout à fait dans la tendance du moment concernant la réécriture des schémas logistiques qui sont en train de prendre place aujourd'hui chez les transporteurs.
à la fois en zone urbaine, mais également en zone rurale, lorsque les livraisons se font dans des petits villages, ce qui est le cas de pas mal de clients. Donc en conclusion, un super salon, beaucoup de satisfaction pour les commerciaux et pas mal de commandes prises, ce qui est toujours très rare parce qu'un salon n'a pas pour vocation de permettre de prendre des commandes. Voilà, donc à bientôt dans un an à l'IA et dans 2 ans à Solutrans.